que louper le ralentissement à 30 km/h. Malheureusement, j'ai pas du tout l'habitude, j'ai pas l'habitude du tout des signaux mécaniques. Ce qui fait que j'ai freiné quand même un peu tard. Il y avait une pancarte S qui avait une obligation de siffler et c'est certainement en raison de passage à niveau non protégé à ce niveau-là, c'est ça.
devant respecter la vitesse de 30 km/h. À partir de la pancarte Z, c'est pour la traversée du viaduc dans 17 feux, supprimé malheureusement. L'indicateur de vitesse sur cette locomotive, je le trouve malheureusement pas très très précis et j'ai du mal à bien régler, bien ajuster sa vitesse. Du coup, pour une fois, je joue avec le chien.
sur des tunnels. Je pense que c'est un asset, c'est pas bien chargé ou pas bien installé. Et du coup, ça le fait pas partout, mais sur certains tunnels, l'entrée est obstruée. J'avais le même problème sur la ligne de Marseille-Martigues, mais ça a été résolu. Mais sur cette ligne, il y a quelques tunnels où ça le fait. Alors c'est pas trop gênant parce qu'il n'y a pas autant de tunnels que sur Marseille-Martigues, heureusement. Mais voilà, sur certains tunnels, il y a cette petite souci d'affichage.
Thank you.
Let's play suivant et je vous dis à très bientôt.